vidéo pour vous montrer tout simplement comment monter un tricotin circulaire et faire du jersey tout simple. Alors tout simple par opposition au rang en droit et en vert que on pourra voir dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment du tricotin tout simple. Il faut commencer par monter un nœud simple. Alors voilà, un nœud simple, c'est tourner le fil sur lui-même, glisser ses doigts à l'intérieur de la boucle et attraper le fil d'en face. Ensuite, attraper les deux fils et tirer. Voilà, on va installer ce nœud sur le petit plot de démarrage que vous avez sur le côté de votre tricotin. Vous tirez bien. Et là, vous allez monter votre tricotin. Ça n'a pas d'importance si vous le montez vers la droite ou vers la gauche. Ce qui compte, c'est que si c'est vers la droite, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre autour de chaque plot. Et si vous montez le tricotin vers la gauche, alors vous montrez chaque plot, vous l'entourez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, on va faire simplement vers la droite et on va monter chaque plot, on l'entoure de la droite vers la gauche, de l'avant, de l'arrière vers l'avant, vers l'arrière, etc. Donc tout simplement dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors chaque plot va être monté l'un après l'autre, tout autour du tricotin. Alors ça, c'est exactement la même méthode que si vous aviez un tout petit tricotin en bois, avec quelques petits clous, et vous allez monter de la même manière, soit à droite, soit à gauche. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours, quand vous entourez chaque plot, un petit fil devant vous. Si vous entourez dans le mauvais sens, vous allez tout de suite voir que vous allez faire une boucle avec deux fils, et ça, vous ne pourrez pas l'utiliser. Là, vous arrivez au début. Voilà le plot de démarrage. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Attrapez votre aiguille. Et vous allez continuer toujours dans le même sens. Vous avez été vers la droite, vous continuez à aller vers la droite. Et vous allez passer votre fil de pelote au-dessus de chaque petite maille. Attrapez chaque petite maille que vous avez créée autour des petits plots. Et la glisser autour du plot en passant sur le fil de pelote que vous disposez au-dessus de votre maille. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez attraper la petite maille que vous avez montée au démarrage, la faire passer au-dessus du fil, attraper la maille, la faire passer au-dessus du fil. Alors, attention de ne pas trop serrer votre fil au moment du montage, parce que comme vous le voyez, si c'est trop serré, ça devient difficile. Donc, il ne faut pas que ce soit trop lâche, parce que sinon les mailles s'enlèvent. Il ne faut pas que ce soit trop serré, sinon c'est difficile à installer. Vous allez faire le tour de votre tricotin tranquillement, comme ça, et éternellement, j'allais dire, jusqu'à ce que vous ayez, bien rempli le tricotin, enfin que vous ayez atteint la taille nécessaire à votre ouvrage. Donc, vous passez chaque maille et vous tournez toujours dans le même sens. Si vous avez commencé à tourner vers la droite, vous tournez votre tricotin vers la droite tout au long du montage. Et vous allez continuer. Il n'y a pas de notion véritablement de rang, puisque vous allez continuer à monter éternellement jusqu'à atteindre la taille désirée. Si vous avez un modèle, en revanche, vous allez devoir compter chaque rang. À chaque fois que vous allez atteindre le petit plot de démarrage, vous aurez un rang. Voilà, voilà. Donc, vous continuez comme ça. Et alors, vous allez obtenir un cercle d'une certaine taille, mais il faut bien savoir que le tricot que vous avez monté sur votre tricotin circulaire est très tendu. Il est sous grosse tension. Il est bien serré sur votre tricotin. Donc, quand il va lâcher le tricotin, quand il va être sorti du métier, entre guillemets, il n'aura pas la taille que vous voyez là. Il sera plus petit. Il aura perdu à peu près 10-20%. Voilà la taille que vous voyez là. Et si vous sortez vraiment du métier, vous allez voir, ça sera plutôt une taille à peu près comme ça. Voilà, un peu plus petit que ça. Voilà, voilà. Bon tricotin!